Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Anno 1404 et on est toujours en guerre. Salam alaikum, c'est un honneur. Contre la même personne. Ouais. Pas l'un contre l'autre en effet. Moi je tape ces trucs de production et tout pour pas que ce soit si simple de se. J'ai perdu un bateau. De quoi? Du vent! Vous devriez aller. J'ai peur d'avoir perdu un bateau. Ah non. Ah, j'ai pas de le raccourci qui va avec. Hop. J'ai découvert le raccourci, vient de me le dire, mais lui ça va être plus long. Quoi, tu disais pas les raccourcis? Je les connaissais pas, tu m'en as pas parlé. Je blague. Je sais. Ah, elle me saoule avec son. On va arrêter de le traquer, ça me saoule. On va plutôt quoi? On va aller ce qu'il y a là-haut. Oh, ça se révolte dans la ville. Ne soyez pas en. Dans sa petite ville là. Je crois savoir où je pourrais me cacher. Ainsi, t'as cessé de produire des marchands. Matière première presque épuisée. Parfait. C'est bizarre, mais... Cette cachette est idéale pour nous. Il y en a là de la pierre. Mettre celle-là en off. Faites une église s'il vous plaît. Faites quoi faire l'église? Ça me plaît. J'ai pas le choix de vous la faire ou pas votre église. Ah, je suis dans les attaques l'un de vos navires. Il va me manquer des sous pour créer des bateaux. En fait, s'il me manque des sous, je sais pas comment. Que je pourrais essayer de te rembourser. Ravi de vous accueillir. Parce que pour améliorer le rendement de mes gars, il faudrait que j'ai une taverne. Cela devrait financer les travaux pendant. Ils sont plus contents et je gagne plus de. Ce navire m'a coûté une tout. Petite pourquoi fortune. Je gagne moins de sous. What? Vous êtes le diable en personne. Tes bateaux ont fini de combattre. Enfin, il reste plus que des chambres. Une pas transaction très... honnête est toujours là. Si tu pourrais les envoyer autre part. Quelle arrogance! Arrogant. On va voir. Comment je peux faire? J'ai perdu des sous. T'as perdu des sous? Ah, mais mes nomades ils sont en. Leur manque quoi des nomades? Non, mais ils étaient faibles hein. Donne des sous. C'est pas beaucoup de dates en fait. Est-ce qu'il y a le ramène pour l'instant? Ça devrait s'améliorer.
Bon là ça touche, même si les tirs de canon dans l'eau. Mais comment on fait pour tuer la ville entièrement là? Il faut débarquer avec des soldats. Vos actes vous éloignent de Dieu. Moi en tout cas j'ai pas de soldats, enfin je sais pas comment faire des soldats. Alors là, l'église qui brûle. Les chances de réussite sont proches de... Comment on crée des soldats? Ah, des révoltes jusque là. Comment on crée des soldats? Donjon. Avec un donjon. Il faut 510 gars. Ouais, Gabriel. Je vais essayer de monter à 510 patriciens, moi. T'es je n'ai guère de raison de me plaindre. Toutefois, vous me pardonnerez de ne pas sauter de joie. De quoi? Moi, je suis à 246, hein, j'y suis pas dit. Ouais. Est-ce que j'ai de quoi nourrir mes citoyens en épices? Et en vêtements, oui. On va faire monter aussi les paysans. Je peux pas mettre mes citoyens en plus bas, moi. J'ai beaucoup de citoyens. Donc si je les mets en améliorez-vous, ils tombent vraiment. Enfin genre ils sont en mode... Je peux plus taper son île en fait. À quoi pensez-vous? Son île est totalement bloquée pour moi, à part peut-être ces moutons là qui sont pas très utiles. L'œuvre du diable. Bon, il va falloir débarquer alors. Ouais. Commander. Sinon, bah du coup, moi ce que je te disais, je peux pas augmenter mes gars de level. Parce que si je les augmente, je perds beaucoup de. Là, je suis à plus 73, c'est bien. Cible de tirs ennemis. Manque de dates, donc j'ai pris un autre truc à date. Ça m'a coûté beaucoup de sous, mais si ça me permet de gagner plus par tour. Mais pourquoi je suis. J'ai fait un truc pour les dates et je suis passé de plus 73 à plus 26. Parce que t'as d'autres trucs. Peut-être que les habitants avaient plus beaucoup de sous autre part et donc ils sont mis à râler. Du coup, mettre deux gros bateaux là, ils peuvent plus taper. Hein. Ah, mais il a reconstruit un truc pour faire ses bateaux. Hein, pour apporter des marchandises, donc je vais retaper. Au pire, en fait, il faudrait que j'ai plus de paysans. Je viens de me rendre compte qu'il me manquait du poisson. Mais là j'ai un atelier de menuiserie et il répare pas du tout ce qu'il y a autour. Ah, il est lent l'atelier de menuiserie. Ouais, il est très lent. Là il manque des citoyens pour qu'ils emménagent. Ouais je pense. Ouais, ils sont assis sur 8 dans la maison, c'est pour ça. Dieu vous pardonnera peut-être, mais moi jamais. Il faut 104. 25 pour avoir... Si je peux vous aider de quelque manière que... Si je peux vous aider de quelque manière que ce soit... Je suis en train de faire du cordage, mais... Oh, la un orage fait rage sur l'île d'un autre... Je crois savoir où je pourrais me cacher. Ouais, j'ai d'espace pour poser des paysans. Il est toujours judicieux d'investir dans des navires aussi puissants. Putain, un bateau qui se fait tirer dessus. Mes navires m'apportent souvent des nouvelles de Sa Majesté l'Empereur. Je vais venir m'en charger. Un bateau corsaire. Parfait. Cette cachette est idéale. Les petits navires de guerre?
Je l'ai fait fuir, t'inquiète. La production a été pourquoi il n'y a plus les conditions de victoire? Ah, je savais pas qu'on pouvait déplacer ça. Pourquoi il n'y a plus les conditions de victoire, Ara? Ah oui. Parce qu'on a chargé une de tes sauvegardes, je pense. Bah, je sais pas, sauvegarde. Ouais. Bâti un château sur votre île. Oh oh, où ça? Faut aller créer quand on chargera une sauvegarde. Là, bon, c'est loin. Je peux pas faire le tour. Elle a des habits et de la. Ok, une nouvelle. Je suis encore en train de lui taper son port, hein, parce que bah. Je n'en veux pas. Ok, bah je vais lui taper son vaisseau amiral qui arrive. Okay. Il va se déposer, j'imagine. Et là, je vais le poursuivre et je vais le tuer jusqu'au. Bon, je pense qu'on pourra arrêter la partie si on arrive à la vaincre. Vous avez désormais accès à une gamme de bâtiments. Moi, je tape son vaisseau amiral qui est venu déposer, qui vous donne des ressources. Apparemment, vous veillez bien sur votre population. Est-ce qu'elle essaie de le défendre là? Vous avez fait une bonne affaire cette fois. D'ici quelques temps, je pourrais acheter le champ qu'il y a derrière ma maison, au lieu de le louer. C'est mon premier combat de bateau. Alors... Hop. Ils sont dans l'arrière de la taverne. Je peux encore avoir... Oh, elle a ramené en fait... elle a ramené 3 tonnes de fil. En fait, elle a ramené 46 fils à son port. Dans votre et du coup, bah moi je suis arrivé, j'ai tué son bateau qui arrivait. Et du coup, j'ai pu lui piquer ses fils. Puisse Allah vous bénir pour votre bonté. Et du coup, il y a 46 fils qui sont pas arrivés chez elle. Ce qui est tout à fait 46 cordages. Sinon, je pense qu'elle aurait créé des bateaux. C'est un bateau à qui ça? Un sbire ennemi s'est tout bonnement volatilisé. J'ai rien là, c'est normal. Une petite Noria qui fonctionne quasiment pour rien. Le sbire est parti, tant pis pour moi. Les corps, les ceux qui sont à terre, ils peuvent pas taper les bateaux. Alors ils construisent un camp, ok. Moi, je suis en train de taper chez elle, hein. Je lui tape un de ses trucs. Bien, bien. Moi aussi, je tape ton truc à bateau. D'ailleurs, on va plutôt aller s'occuper des poissons. Le moment opportun doit être choisi. Je peux revoler dans 3 minutes. Okay, elle a une armée en bateau, donc je vais la suivre parce que. L'un de vos navires. Je peux tuer beaucoup plus facilement une armée sur les bateaux que sur la terre. Oui, oui, tout à fait. Mes navires seront ravis de vous approvisionner en marchandises de mon pays natal. Elle est où son armée en fait? Elle a posé 3 armées. Le diable en personne! Bien, bien, bien. Salam alaikum. Elle a un vaisseau amiral qui arrive, t'es prêt à le recevoir? Juste à côté de l'armée. Je vais demander de le suivre. Elle va finir par vaincre mon château qui aura tenu un temps extraordinaire. Ah, regarde auto. Là, je suis à plus 43, c'est pas ouf, mais c'est déjà ça. Partie sauvegardée.
déposer son bateau amiral, mais elle peut pas le déposer en fait. Donc elle peut rien y faire de son bateau amiral. Petit navire de guerre, c'est à toi ça. Ça c'est à moi. Bah je vais le tuer son bateau amiral, il doit être bien en plan. Peut-être, ouais. Elle avait 46 cordages. Compte tenu de la situation actuelle, votre quête est désormais sans importance. Après tu peux venir près de mon château quand t'auras fini. Il y a des troupes qui m'attaquent et donc on peut les taper. On peut leur faire beaucoup de dégâts. Non mais il y en a aussi de l'autre côté en fait, c'est pour ça que j'étais en train de te taper. Non mais toutes celles qui étaient de l'autre côté elles sont venues là. Je vais te taper son port moi. Bon attends. Envoie Justin pour le port si tu veux. Mais sont les armées. Alors il faut que tu tapes son chevalier. Est-ce que je peux tourner? Je peux comment faire pour tourner? Les chances de réussite sont proches de zéro pour le moment. C'est le truc siège là qui est important, que je peux taper. Oui voilà. Bombarde. Sans ma flotte, je ne pourrais jamais entretenir mes... En fait, il y a un chevalier avec un drapeau devant. Vous avez vaincu l'unité. Et tu peux le taper. Ouais, bombardement. Deux joueurs sont en guerre. La guerre fait rage entre Hassan et... Et elle, c'est ça, non? Moi, c'est ça, elle a pas dû pouvoir les payer. Marie d'Artois, ouais. Ah, ça veut dire qu'elle est ruinée, du coup. Grosso modo. Qu'elle a plus 15 000. Ouais, j'ai bien terminé. Bon, on est arrivé depuis longtemps alors, mais... Laissez-moi vous aider. Voilà, laissons-moi aller ça, et après, on change je... Quand je vais la voir, elle fait... Vous êtes juste une diable, transaction. Ouais, moi aussi. Vous êtes une personne honorable. Mais il a combien de vie, l'espèce de... Il a combien de vie? Moi, je vois pas sa ville. Faut que tu cliques... Tu cliques sur le bon truc, toi? Oui, oui, t'inquiète pas parce que je vois une armée. Il a. Ah non, c'est la ville de mon château, ça. Petite armée, il a 1000 encore. Il a même pas fait 800. Ouais, bon, on fait beaucoup de dégâts à la fois. Moi, j'ai là, moins 160, je pense que c'était nos deux tirs combinés. Et lui, il fait moins 2 à mon château, là. Moins 5. Il prend aucun dégât. Il prend aucun dégât. Il prend aucun dégât. En fait, je pense que tu tires pas sur ton truc. En fait, il y a un chevalier devant. Je sais, j'ai pu lui cliquer dessus. Petite armée. Et il a 874 points de vie. Mais là, il est encore à 874. Il pèse très peu. Mais moi, je fais des moins 160. Ouais, jusque là, il a 844. Il y a des camps militaires. Là, j'ai vu les. Mais les impies, prends. Voilà, elle est en train de fuir. Il perd et regarde sa vie très rapidement. Moins 100. Ils sont passés de l'autre côté. Ouais, j'ai tu les vois. Heureux de vous aider. Il passe. Je sais pas ce que c'est le bateau cercueil. Ah, mais le petit bateau, c'est un bateau à elle. Non, je peux pas attaquer le bateau cercueil. Je crois que c'est des morts qui reviennent à elle. C'est un malus cercueil. En tout cas. C'est un bateau accueil. Non, cercueil. Ça y est, avec cercueil. Ouais. Les détails doivent rester entre nous. Une transaction équitable. Bon, allez, voyons entre pas. Comme moi, j'ai toutes mes routes qui marchent. Je gagne beaucoup. Moi, j'ai plus 13 et je perds beaucoup.
Alors qu'est-ce qui me manque pour que j'ai plus que plus 13? Non mais je suis tout à full hein. En fait faudrait vraiment qu'il y ait des citoyens qui passent en... Oh mais je peux pas. Non mais je peux pas perdre 90 bits. Quel genre de construction prévoyez-vous ? Soit je perds 90 bits et ils peuvent s'améliorer. Ah je sais ce que je voulais. Toi je perds pas 90 bits et ils peuvent pas s'améliorer. Ah ou alors toi échange, toi prends ta route. Lily, comment je fais? Là je perds 98 si je veux les améliorer. Ah. J'ai beaucoup beaucoup de paysans et je peux pas les améliorer. Vous ne voulez pas accueillir une petite troupe de pauvres hein? Ah, c'est les citoyens que j'ai mis en... On peut rester? S'ils sont heureux, ils acceptent d'emménager ou pas? 200 mon dieu. L'hospice prend 500, d'accord. Ok. De quoi? Est-ce que s'ils sont heureux, ils s'améliorent? Oh ouais, bah ça c'est super. Si tu leur autorisais les améliorations. Vous n'avez donc pas remarqué que le peuple est extrêmement insatisfait? C'est pour qui les noyés? Comment ça se fait que je vois pas l'autre quête en fait? Salam, c'était juste une question de temps. Ce n'est pas bien difficile comme mission. Attends, faut vraiment que j'allume la lumière, sinon je vois rien. La production a été interrompue. Moi, je tape des armées là. Fabuleux. Je tape une armée qui a moitié. Une honorable transaction. Elle a plus que 135. 47. Elle est bientôt morte. Là, je suis déjà à moins 6. Lancez-moi quelques pièces et il ne vous arrivera rien. Personne ne contredit Hassan Ben Saïd. Là, je suis à 119 paysans. Ok, 126. Ok, ça monte. Ok, c'est bon. Les paysans, ils sont en train de s'améliorer. Moi, je vais casser son port dès qu'elle a un port. Hein. Ton château est toujours pas mort, hein. Il sera jamais mort ton château. Mais je peux rien lui taper en fait, il faudrait vraiment qu'on ait des armées corrompues. L'immortel château. Comment ça va sur l'île là-bas? Dans le là-bas plutôt. Ça va, ça va. Ils ont suffisamment de tapis. Juste ce qu'il faut en date. Donc on va faire un autre truc à date. Ouais bon, non, il répare pas du tout mon bâtiment de charpentier. Je l'ai cassé, il sert à rien. Depuis le début de la partie, il a rien réparé. Oh, j'ai du café, j'ai mon serveur plutôt. Ah, pause, pause. Il était pas relié, c'est peut-être ça le truc. Yes. Oh. La production a été interrompue. En fait, il faut qu'il soit aussi plutôt content. Ok, je suis à moins 63. Mais j'ai 626 citoyens sur 765. Peut-être pour ça, c'est parce que je vendais les dates. Ouais, il marche toujours. Une transaction honnête est toujours la bienvenue. Atlante. Il récupère toujours plein d'épices, hein, j'espère. Parce que... J'espère que j'ai des épices. J'apprécierais grandement que vous m'apportiez votre aide. Pas tant que ça, des épices. Faire ma épice. On va essayer d'en faire une autre. Je peux pas, j'ai pas assez de souffle. On va passer une quête. Le sultan Azer demande de trouver un sorcier dans la ville. Et
vais lui ramener, j'imagine. Vous avez fait ce que je vous ai dit. Quel soulagement, n'est-ce pas? Il m'a offert un poil. Augmente la productivité du site boulangerie. Un navire de première... Oh, il y a encore une armée près de mon château. Les habitants de votre colonie souffrent d'un manque de compagnie. Ouais, ils tapent sur un bâtiment. Mes deux bateaux, ils sont sur un bâtiment. Après, ils vont aller taper parce qu'il y a un autre bateau qui revient. Ici, il y a un bateau qui est là. Je pense que je sais. Est-ce qu'ils ont l'église? Non, ils ont pas d'église. Enfin, une chapelle plutôt. Elle a encore recréé un port pour qu'il y ait des bateaux qui viennent. Oh là là. Elle abandonne jamais. Toi aussi, tu l'as... Bon, tu tues son bateau, je vais taper son port. Mais ouais, elle va jamais abandonner, jalons. Pour elle, c'est pas fini. Votre navire est la cible de tirs ennemis. Je serais heureux de vous aider. Il y a trop de navires, je sais pas. Il y en a plusieurs. Horreur. Tes deux bateaux qui sont prêts de s'en aller. Le conseil des 10. Fais les descendre, s'il te plaît. Pour qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'ai un bateau en dessous. Son île au nord. T'as deux bateaux dont ton grand rouage marchand. Ouais. Bah, elle a deux bateaux dont. Et à eux deux, ils sont plus costauds que le mien. Ok, bah t'inquiète pas, j'arrive. Je tape le petit qui est derrière toi. Je vais les taper pendant que tu fuis. Non, j'ai encore beaucoup de vie, mais. Je vais pas trouver mes navires, j'ai des sbires, je te. Partout, c'est horrible. On est prêt. Vos ordres. Chez moi, c'est trop grand. Des troupes ennemies débarquent sur la côte de votre île. Je vous avertis. Je sais manier l'épée. La production a été interrompue. Alors, elle envoie des troupes sur mon île. Vous devriez aller... Une transaction fructueuse, dans bien des sens. Plus 7000 parce qu'il m'a acheté une tonne de trucs. Bon, ça. Mais quand t'as acheté des trucs? Il a dit qu'il y avait un sbire ennemi chez moi, mais pas. Il m'a pas dit qu'il y avait un sbire qui était infecté ou disparu. Et ils sont morts les deux bateaux qui tuaient. Oui, ils sont morts. Tu peux redéplacer tes bateaux comme tu veux. Bah, ils vont toujours aller taper, hein. Ils vont pas se calmer, hein. Alors, j'ai lâché à plus de 106. Je vous préviens dès que j'aurai infiltré la maison. Ah, je suis encore un petit manque d'épices, hein. Il suffit de donner au peuple une bonne raison de ça. Je produis pas assez d'épices. J'ai pas genre. Un ennemi a franchi la frontière de la région de votre colonie. Ah, c'est chouette comme jeu, franchement. Ouais, j'aime bien.
Là, je vais faire un truc d'épices parce que je suis un peu en manque d'épices donc je perds de l'argent. Alors, un ennemi a franchi la frontière, ça. On disait t'es en chargement, non? Ouais, j'étais en chargement en effet. Là, d'accord. Ah, du coup, tous mes bâtiments sont en pause. Nous sommes prêts! La cachette parfaite. Mon espion hein, s'est infiltré. Vos instructions. Magnifique. Attends, quand on va les espions, bien ça vous ressemble bien. Les espions. Tu dois en avoir de l'argent quand même, c'est pas trop la dèche. À l'attaque! C'est 772 points. Quelle arrogance! Il a amélioré son truc de bateau. En fait, il me faudrait des sous. Un de vos bâtiments subit encore un de ces bateaux. Une canonnade. Il ne reste nul honneur sur Terre. En fait, il faudrait des troupes terrestres, mais on n'a pas encore trop de troupes terrestres. Il faudrait un donjon, que vraiment, en tout cas, j'ai pas assez de sous. Ouais. Ok, c'est bon, j'ai autant de citoyens que ce qu'il faudrait. Donc, je gagne beaucoup plus parce que je leur ai dit de payer plus de taxes. Et je me mets vous avez maintenant le contrôle. Faites en sorte que et cela coup, tu reste. Tu penses que mes paysans ainsi... ils peuvent s'augmenter ou ils peuvent ouais. Quoi s'augmenter peut-être. Oh ouais, j'ai que 51 citoyens sur. J'ai pas dans un siège de trucs de quoi faire des sièges, c'est pas grave. C'est large. Vous avez anéanti les forces de l'ennemi. Oh là là, mais il est imbattable ce bâtiment. Parfait. Ah, je suis le pire ennemi en personne. J'ai quoi comme relation avec elle? Je suis à 5 de réputation avec elle. En vrai, je suis dans la... Bon ouais, mais t'es méchante en fait. Là, je suis à moins quelques. Moi, j'ai mis un pied sur son île. Et j'ai incité la révolte. De quoi? Sur la grande île ou la petite? Sur sa grande île, j'ai mis un pied sur son île principale. Un sbire ennemi a été pris dans son repère. Ah, parfait. Sa petite île. On a attrapé un sbire. Ne soyez pas empressés. Ah, c'est juste oui, impatient. C'est ça. J'ai un gros problème avec. Nous sommes prêts! Ça me plaît. Il va falloir qu'on se réparer de ce côté-là. Une juste transaction. Payer, l'ennemi attaque l'un de vos navires. Ouais, un navire qui s'en va, donc c'est pas grave. Il y a un navire corsaire qu'il faudra qu'on tue à l'occasion. Comme ça. Comme ça. J'aime trop battre des navires comme ça. Là, je tape son village, mais. Ok, je lui tape ses troupes maintenant, mais elle va les fuir, j'imagine. J'ai tué son dernier truc à poisson, en espérant que ça suffise pour... Ah non, son truc principal, tu veux me aider? Ouais. Ouais, l'église brûle. Bon, du coup, tu veux de l'aide? Ah bah, y'a un truc qui brûle aussi dans sa petite maison. Dans son petit... Ouais, c'est l'église. Non, mais dans sa petite... Dans son petit bercail. Celui du nord. Ah ouais, c'est un bâtiment que je tape. Ouais, c'est cette troupe que je tape. Plantation de champ. Tu voudras de l'aide vous ou pas? Vous êtes le diable en personne. Ça ira, je pense que ça va. Ça va. Alors, attaqué par les corsaires. Ah zut. Attention. C'est un bateau à moi. Dépêchez-vous. Non, j'ai pas déjà envie de perdre mon moteur. Il est tellement loin d'une terre à moi, ça va être hyper loin. Je pense qu'il sera mort avant le minute. Ah non, il va plus vite que le bateau. Vous avez fait une bonne affaire cette fois. Et non, par contre, il me tient dessus, donc on va. Il est dans une zone très occupée, le corsaire. Miss Allah vous bénit. Ouais, voilà, il est tellement. Dans une zone. Il est dans une zone avec tellement de monde que. On peut venir se coller là et tuer la tour ou pas?
je peux plus tirer sur les méchants. Sans ma flotte, je ne pourrais jamais entretenir mes nombreuses relations commerciales. Oh, il me dit que j'ai besoin de plus. Il me dit ça très souvent hein, par rapport aux fois où il y a des problèmes avec ça. Par contre, il me dit que j'ai besoin de beaucoup d'épices et j'ai pas une énorme production d'épices. Ouais, si j'ai plus trop d'épices. Là, j'ai des épices. Enfin, j'ai deux bateaux qui vont faire les épices maintenant. Épices et quartz. 15 épices. Pouvez-vous m'apporter votre aide? Voulez-moi ça, s'il vous plaît. Du coup, je pense que je vais venir t'aider parce qu'il doit plus avoir beaucoup de ressources sur sa petite île. Il n'y a peut-être pas assez de bois ou de ressources pour construire, vu qu'il n'a pas d'outils. Sa petite île, je pense qu'elle est bloquée là. En fait, il faut tuer des bateaux. Subit une attaque. Aux instructions. Attention. Je pense que je vais bien parce que t'as l'air d'être des marchandises. Ainsi, t'as cessé de produire des marchandises. Je vais venir au niveau du grand territoire. Ainsi, t'as cessé de produire. Oh, il y a son église qui brûle. La chapelle, la taverne. Ce bateau-là. Révolution. J'ai dit à mes deux bateaux de venir à ça. Réparer chez moi parce que ils ont un peu été annulés, donc je vais le faire réparer chez moi. Oh bah je suis bien full en pierre, ça va. Ça là dessus y a pas trop de problème. Alors je suis à plus 100 et quelques, et bah voilà que on peut déjà les remettre comme ça, même s'ils me font gagner parce qu'ils sont beaucoup de pots en plus. Aux instructions. Ok, alors les paysans vont repayer plus. Attention. Satisfait. Et les nobles, ils vont me payer moins pour être plus. Ok, il y a deux naufragés qui sont... Les fiers navires de l'Orient sont parmi les plus rapides du monde entier. On n'est pas bon en date. Salam alaikum. J'ai trop de cordage. Vous avez appris beaucoup de choses sur l'Orient. Oh, bah j'ai pile de... Ma nomination au poste de grand vizir est un immense honneur. Le sultan a beau être jeune et plein d'énergie, il accorde de la valeur aux paroles d'un ancien. En fait, si t'as des sous pour moi, je peux faire des bateaux. Genre 2000, je peux faire un petit navire de guerre. Parce qu'en fait, j'ai du cordage en plus que j'ai trouvé sur des bateaux, mais je peux pas les utiliser. Et le temps que je gagne tout cet argent, ça va être un peu compliqué. Si t'as des sous en plus... Ouais. Si j'ai des sous, ouais, je peux te passer des sous. Je serais ravi de vous proposer mes... Fournisseurs de l'Empereur. Merci. Tu m'as fait flatter. Mm-hmm. Oui. T'as de l'argent toi quand même, hein. Ah oui, je bute. Par contre, il faut que j'attende que mon bateau se crée pour que je puisse créer. Moi, j'aimerais réparer mes deux bateaux, mais on est prêt. Faut que je pose du cordage que je peux pas poser pour l'instant. Laissez-moi vous aider. Il faut que mon petit bateau soit créé. L'armée est en marche. Alors, on va les repousser définitivement de ce côté-là. Il s'appelle Endurance, mon bateau.
Est-ce que c'est la transaction équitable. Recréer un port ? Bah oui. Bah oui. C'est totalement logique. Il va jamais s'arrêter en fait le joueur. Pour 2500 la cagasse. Non, il va jamais s'arrêter, je pense. Je peux faire des très très bons bateaux. Ça coûte 60 cordages. 15 armes, mais mieux, je pense que c'est mieux que des armes. 8 forts d'attaque. Et ça peut prendre 6 gars. C'est des engins de siège, c'est ça ? Ce navire... Ouais, c'est possible que ça s'appelle comme... Ouais, il manque du bois, je peux faire encore un autre bateau. Alors, allons péter ça, par exemple. Non. Il y a encore mieux, en fait. Grand navire de guerre. Ah, ça coûte des canons, les navires de guerre. Ouais. Et 20 canons, 60 cordages, 62 bois, 4500 pièces, mais il fait 14 dégâts. Quant à ça, t'es cool. Et on va tuer son petit campement et après on tuera le château. Alors le petit navire là, Tillon. Là je suis tout juste en train de rouvrir mes commerces. Parce que je viens tout juste de revoir des bateaux. J'ai trop de café en fait. Il y a beaucoup de tapis. Elle aime trop apporter des bateaux en fait. Il y a des bateaux qui tombent pour la sauver. Elle vend plus rien. Ça veut dire qu'elle a plus assez dans ce village là pour vendre. Parce qu'avant elle vendait, je pense qu'elle a plus assez. Je suis pas certain, mais je... On va aider les villageois à faire brûler les maisons. Tu sais que ton château là il fait mal peu à peu. Ouais, tout doucement. Ah bah oui, mais... Il a enflammé un truc. Il a cassé quelques trucs. Alors, la révolte est pas finie. Si je peux vous aider de quelque manière que ce soit, patience. Toi tu peux lancer une révolte si je te paye les sous-cours. Oui, si tu me payes les sous-cours. Je suis dans son grand château, j'ai... à vos ordres. Dans son grand château, ouais. C'est une somme raisonnable. Vers où dans son grand château? Sur une place de marché, de toute façon, t'as pas d'autre choix. Ok, donc je me cache dans une grande maison de pâtissien et après. Ouais. Genre une qui soit près de la place de marché. T'inquiète pas, il est tout proche. D'accord. J'espère que personne. Une place de marché avec plein de maisons autour. Ouais, faut choisir une maison de pâtissien aussi. T'inquiète pas, c'est une bonne maison pâtissien. Maison de patricien. Alors. Je te dis s'il se fait attraper ou s'il se fait pas attraper. J'espère qu'il va pas se faire attraper, mais je peux pas être certain. Votre espion a réussi à infiltrer le bâtiment. Parfait. Parfait, parfait. Parfait. Cette cachette. Du coup, maintenant, tu veux que je sème la révolte, c'est ouais. Ça? Inciter révolte. Et du coup, là, vu qu'il est tout proche, il va y aller. Faut juste pas qu'elle le crame. Je peux tirer sur ça. Ah, bataille navale, bataille navale. Hop, ça c'est un champ. Ah, elle a reconstruit près de moi. Ah bon? Ah non. À vos ordres. Il y a un endroit où j'ai pas enlevé. Votre espion a réussi à inciter le peuple à machin. La révolte, parfait. Ça a marché. Ça, il va y avoir une révolte en continu. J'espère bien. Vous avez vaincu l'unité adverse. Vos ordres. Ah ouais, en fait, ce marché-là, il sert plus à rien. La production a été interrompue. Annihilez l'ennemi! Et du coup, ça fait une révolte chez elle? Ouais, normalement. Ah ouais, ils ont tous avec des torches et tout. Ils ont déjà commencé à enflammer des trucs. Bon, les patriciens, ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Les citoyens, il leur manque des épices. Ça vous ressemble bien. Bah, moi, je vais laisser un de mes bateaux, je pense, près de sa maison, parce qu'à chaque fois, elle vient défendre.
et elle arrive à défendre. Enfin, elle revient avec un bateau pour se protéger. Est-ce que tu veux pas que je laisse un petit bateau là-bas? Où ça? Dans le nord? Dans sa petite île. Sa petite île du nord. Ouais, ennemis. Hop, j'ai mon petit bateau Typhon normalement. Typhon. Les frontières entre l'Occident et l'Orient se rapprochent continuellement. Notre sultan. Et du coup, les bateaux en bas, ils vont venir assiéger la. Comment évolue la situation? Et je t'ai fait suivre le bateau de le tirer ton bateau. Donc au pire, comme ça, tu veux fuir et mon bateau fuir. Quel bateau t'as fait suivre? Un bateau qui attaque. Ok. Je suis qu'à plus 68. Pourquoi je suis qu'à plus 68? Ah, il me manque toujours un peu des pistes, mais pas. Quel sera votre ange de la mort? Ah, parce que je les ai mis en Amelio. Ces hommes vous suivront jusqu'à. Maintenant qu'ils sont pas axes. Amelio, et vous plus. À vos ordres. Un de vos navires a été coulé. Enfin, il pourrait s'améliorer. Je me suis fait couler un de mes meilleurs navires. Tu t'es fait couler un navire? Ouais, en regardant pas, il était près des tours. Je sais pas ce qu'il faisait là-bas d'ailleurs. Je sais pas ce qu'il faisait à ce point-là. Pas très gaffe à tes troupes, toi. Comment on fait? Comment quoi? On fait tourner un bâtiment. Un bâtiment. Moi je clique dans une zone où il peut pas se poser et j'essaye de m'arranger pour qu'il se mette bien. Ça marche, c'est une technique un peu bizarre. Sinon tu regardes dans les options. Et une option qui est dédiée pour normalement. Option générale, ta face de touche. Il y a beaucoup de touches. Un de vos navires subit une canonnade. La canonnade comme ça. Ah mais je peux pas les toucher donc on va plutôt réparer. Moi je peux ralentir ou te ralentir le jeu. Si ça t'intéresse ça. Hein. La production a été interrompue. Bah non, j'ai pas trouvé. Bon, puis je vais mettre dans l'autre sens. Vous avez fait une bonne affaire cette fois. Ah bah il s'est passé dans le bon sens sans que je fasse. Ah, ça vieillit bien. Ça crie bien chez nous. Le moment est mal choisi. Et dans 1 minute 30 je peux relancer. Bon, c'est un peu plus pour ça. Allez, on va s'arrêter pour cet épisode. On se retrouve bientôt dans le suivant.